Bonjour à tous, c'est Fabio. Aujourd'hui, on va essayer d'exploiter un nouveau thème de vidéo. Alors le thème, ça va être à la découverte des petits villages qui peuplent la France. Alors en particulier, bien sûr, l'Occitanie. Aujourd'hui, ça va être à la découverte du Kélar. Le Kélar qui est un petit village qui compte entre 450 et 500 âmes. Un petit village qui se situe sur le plateau du Larzac, à 18 km environ de l'Audève. On va essayer de faire découvrir toutes les merveilles de ce petit endroit qui mérite d'être connu. C'est parti, en avant partout. Voici la chapelle Notre-Dame du Roquecastel. Bâtie au XIIe siècle et citée à une époque sous le vocable de Notre-Dame de Roquecozel, c'était l'ancienne chapelle du château. En partie détruite à la fin du XVIe siècle, au cours des guerres de religion, elle fut reconstruite au XVIIe siècle. La base de l'aile nord du transept est taillée dans le rocher. L'intérieur a conservé plusieurs arcs romans en plein cintre. Aujourd'hui, toujours utilisée comme lieu de culte, elle reçoit en été des concerts de musique sacrée. Le pan de mur que vous voyez en face de vous est le reste d'une tour bâtie sur un petit éperon. Il est probable que cet ouvrage faisait partie du château construit par les évêques de l'Audève de la fin du XIIe siècle à la fin du XIIIe siècle. Gros plan à présent sur le clocher du Kélar.
La grosse tour carrée du clocher portait jusqu'au début du siècle un toit à 4 pans de très faible pente. Ce toit fut supprimé à la fin des années 20. Jusqu'en 1952, date de l'électrification de la sonnerie, un habitant du village montait au clocher 3 fois par jour pour faire sonner la cloche. Il empruntait un petit chemin escarpé comportant un bel escalier taillé à même le rocher. Voilà, j'espère que cette petite vidéo concernant le village du Kellar vous a plu, qu'elle a surtout été instructive, et j'espère qu'on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.